Le procureur adjoint de la Cour pénale internationale CPI, Mam Mandia Niang, séjourne en Guinée depuis quelques jours. Il a été reçu par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Ce mercredi 7 septembre 2022, Mam Mandia Niang, accompagné du ministre secrétaire général du gouvernement Abdramane Siké Camara, a visité les locaux en chantier du tribunal qui doit abriter le procès des tueries du 28 septembre. 2009. Mam Mandia Niang a fait le tour du bâtiment dont l'évolution des travaux est estimée à 90% par le constructeur. Visiblement, le procureur adjoint de la Cour pénale internationale est satisfait de l'avancement enregistré dans la réalisation du bâtiment. Vous avez fait le tour avec moi et vous avez vu que pour le défi logistique, il n'y avait pas eu d'exagération quand on m'avait indiqué que 95% du travail était déjà accompli. Moi, je ne faisais pas partie des délégations antérieures qui avaient visité, mais on m'avait fait des rapports. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu confirme vraiment une avancée extrêmement significative dans la préparation de ce procès symbolique. À la question de savoir si le délai du 26 septembre, comme annoncé, est tenable, le procureur adjoint de la CPI, Mam Mandia Niang, a déclaré que cette date peut être réajustée. Pour nous, dans la symbolique, il était extrêmement important d'ouvrir ce procès-là. À la date du 26. Peut-être que la date pourra être réajustée, c'est une indication. L'indication forte, c'était que au plus tard la date anniversaire, que le procès se tienne.